Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Bonne journée. The Surge. Merci. Donc je suis actuellement avec la manette, ce qui veut dire qu'il faudra que je reprenne tous les coups. Oh bah j'apprends des choses aussi. Pas de raison d'utiliser ça. Coucou. D'accord. Voilà, je verrouille avec ça. Je dash avec ça. D'accord. Et je lui coupe son bras gauche. Ok. Ok, on verra si c'est plus pratique comme ça. Aussi, du coup, j'ai pu discuter avec certains d'entre vous. Bras droit. Corps. Bras gauche. D'accord, je peux... Je peux sélectionner, d'accord, ok. On m'a conseillé... Ah oui, j'ai oublié ce coup-là. On m'a conseillé de pour l'instant me battre tout en m'occupant uniquement des membres non faits pour faire grimper la barre en bas à gauche. Qu'est-ce que c'est que la barre en bas à gauche? C'est ma capacité à utiliser mon arme correctement, tout bêtement. C'est-à-dire que plus elle sera haute, plus je ferai de dégâts, tout bêtement. Hein, c'est très très simple à comprendre. D'accord, bah il était là le fameux secret, ok. Je n'en reviens pas qu'ils aient viré le docteur Chavez, malgré ses années de travail acharné, son dévouement envers la cause. Voilà ce qui arrive quand on défend ses convictions. D'accord, bon, bah, j'ai pas le choix. J'ai vu les chiffres. Ni le droit, ok, pourquoi pas. D'autres personnes baisseraient les bras, mais elle n'en fait pas partie. Et donc de bien finir parfaitement chaque zone. Voilà, avant de m'aventurer plus loin. Alors ici, on a pu voir aussi que je peux sprinter et sauter comme ça, mais est-ce que je peux du coup... Bah, vous voyez, il y a un truc ici. Est-ce que je peux passer par-dessus? Apparemment non. Là, je peux tomber ou pas? Je ne peux pas tomber. Donc il y a un secret ici. Il est atteignable, en tout cas je pense. Comment? Je ne sais pas par contre. Essayons de réfléchir. Et apparemment il y a un chemin qui mène de l'autre côté. Donc à mon avis ce qui va se passer c'est qu'on va avoir oublié l'endroit quand on va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? L'objectif c'est de nous faire oublier l'endroit et d'espérer que... Enfin nous montrer l'endroit et d'espérer qu'on l'aura oublié au moment où on va passer dessus. Donc on y va. On y va, on y va. Là c'est toujours fermé. La sensibilité du stick droit est incroyable. Je regarde si je peux pas changer ça légèrement. Sensibilité caméra, voilà. Passer à 35%. D'accord. D'accord. Ouais, on n'est pas si mauvais que ça finalement, hein, un peu. Je vais laisser ça comme ça. Crac. Ah là, ça me semble un peu plus lisible. Ok, bon bah tant mieux. On y va. Notre ami là-bas qui nous attend. C'est pas le bon bout de temps. Voilà. Donne-moi. Hop, raté. Déjà mort? Ok, bon bah pourquoi pas. On m'a dit de faire attention à tout ce qui est destructible aussi. Apparemment il y a un bon paquet d'objets destructibles. Du coup faut en profiter. Alors là si tu m'as pas vu Simone. Hop là, ton bras.
Enfin, tout moi tout entier en fait, presque, hein, du coup. Et donc, du coup, voilà, plus je vais enchaîner les kills sans mourir, plus le compteur en bas à droite, il y a un compteur, vous allez voir quand je vais récupérer des points, va s'afficher, et donc, ce compteur va vous montrer à quel point je suis en mesure... Oula, c'est pas passé loin, ça. De comboter... D'accord, je ne peux pas. Ok. J'essaie de voir si je peux... En fait, là, ce que je viens d'essayer de faire, chers amis. Je viens d'essayer de grimper mon quota de points, enfin, d'énergie pour couper, vous savez. Et essayer de passer sur un autre membre, essayer de le couper. Vous avez vu que ça m'a fait une petite croix rouge. Donc, bah, c'est la dèche, hein. C'est la dèche. Il y a un autre ennemi là-bas. Donne-moi ta jambe! Et c'est à moi. Désolé. Vous voyez, donc on est à 1.30. Donc plus on va enchaîner d'ennemis, plus on va être à même de gagner des sous, tout simplement. Hein, des incroyables sous. Je sais plus si je suis déjà monté ici. Ça me parle pas. Il y a un surcharge niveau 11. C'est ça, hein. Moi, je suis niveau 15. Donc je vais passer le surcharge niveau 11. Crac. Et donc... Ça fait des choses normalement en suivant les câbles rouges. On m'a dit de suivre les câbles rouges. Les câbles rouges, c'est la vie. Ça ouvre des choses. Alors, je suis en train de sprinter. D'accord. Ok. Donc en fait, il y avait moyen de sauter. Bon bah, c'est grave. On va voir que le câble rouge part, hein, part. Et il va par là. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient fermées? Est-ce que par exemple ça m'ouvrirait des portes de l'autre côté? Je ne sais pas. On va aller voir. On va aller voir. Là, c'est fermé. Là, c'est toujours fermé. Mais, ok, faut prendre son temps, hein. c'est un jeu difficile normalement, donc je pense que prendre son temps sera clairement une des meilleures idées que j'ai jamais eues de ma vie. J'ai vu aussi qu'il y avait une porte là-bas qui était verrouillée. Est-ce qu'elle est toujours verrouillée suite... Apparemment oui, hein. Ouais, elle est toujours verrouillée. Ok, bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on va plus vite en dashant? Ah oui, on a une barre d'énergie, c'est vrai, faut pas que je la gaspille. Faut pas que je la gaspille. Donc on évite les sprints, on évite tout ça. Ok. Donc là, dans le coin, il y a quelque chose. Wow! Putain! Son arme, on l'a déjà, nous, hein. Il veut pas venir, c'est marrant. Je vais prendre son torse, si possible. Vu que t'es full en armure, mon pote. Aïe. Hop, c'est bon. Ton torse m'appartient. Désolé. Un truc de soin. Alors on a un truc important dans le coin. Ah d'accord, ok. Voilà pourquoi il faut que je... Faut que je fasse attention. D'accord, il s'agrippe pas avec les mains. Il ne s'agrippe pas avec les mains. Donc ça devrait être dans le coin, hein, pour... La vache, 55 il faut là. Pourquoi pas? Je vais ouvrir la porte ici. Alors attention parce que... Hein... Crac. Nouvelle implant, une combinaison de soutien. D'accord. Bonjour madame. Ouh la vache. Bonjour madame. Il y a un autre point dans le coin. Très très proche.
Mais il est derrière le truc. Derrière le truc à 55. Je pense. Alors ce qui m'emmerde plus, c'est que j'arrive pas à rejoindre l'endroit où il y a potentiellement... Il est vraiment derrière la porte ou juste en haut. Hein. Ouais, je sais bien, mais je peux pas. Hein. Est-ce que ça me fait mal? Ouais, ça m'empêche de faire quoi que ce soit, d'accord, ok, pas grave. Ok, donc apparemment, il y a encore d'autres choses à faire dans le coin. Ah, je peux ouvrir la porte. Et en ouvrant cette porte... Ça me fait des raccourcis. D'accord. Ok. Ça me semble pas mal, cette histoire de raccourcis. Bon, on a vu qu'il y avait un ennemi ici. Alors, faut que je trouve le bouton maintenant. Pour switch d'ennemi en ennemi. T'as rien de... Ta jambe m'appartient, désolé. Je prends ta jambe si ça te dérange pas. Merci. Donc j'ai des jambières en plus. J'ai des jambières en plus. Est-ce que je pourrais pas fabriquer une jambière supplémentaire? Ça pourrait être intéressant. Pause non autorisée. Pause non autorisée, c'est quoi ce bordel? On profite pour passer dans la station médicale. Est-ce qu'on augmente? On attend avant d'augmenter. Là d'abord on va là. Établi. Fabriqué. Ça c'est faisable. Non, je l'ai déjà ou c'est faisable? Il me faudrait ça moi. Ah d'accord, il me manque encore de quoi faire. Et puis il me faudrait ça aussi. Clairement, il me faudrait ça. Il me faudrait un corps. Là, je peux pas l'améliorer. Tout ça, je ne peux pas les améliorer du tout. Ok. Bon, c'est pas grave. Ok, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va. Il va falloir plus de jambes. Donc on va découper des jambes, c'est pas grave. Cette jambe m'appartient, désolé. Merci. Merci monsieur le boucher. Maîtrise d'armes augmentée, donc ça c'est cool. Celle-là du coup. Hop, ta jambe, merci. Quand je joue à FIFA, je fais toujours des bruits, enfin des sons du style « Donne-moi tes jambes !» Tes jambes m'appartiennent, désolé. J'ai pas réussi. Ah, le... finir. Ah ouais, j'aimerais changer de cible. Hop là, ta jambe m'appartient. Ok. Donne-moi tes jambes. Bah ben on t'aura pas le temps. Désolé. Désolé. Ok. On continue. On va récupérer des gens. Il me faut une armure entière. Avant d'aller plus loin, je pense. Ce serait une très très bonne idée. On voit qu'on se sent de plus en plus facilement, n'empêche. Hein. Tiens, regarde, t'as pas une jambe. Ah, t'as pas de jambe à me donner, dommage. Je vais rester au sol alors, du coup, je suis désolé d'avoir à te l'annoncer comme ça. Hop, voilà, merci à toi. Bah, du coup, on va continuer à chercher des jambes. Hein. Ah, bah, tu bouges cette fois-ci. Allez, viens. Donne-moi tes. Aïe, donne-moi tes jambes. Ta jambe m'appartient, je suis désolé d'avoir à te l'annoncer. Voilà, c'était la mienne avant, apparemment. Petit tas de ferraille. Ah bah écoute, je prends le petit tas de ferraille. Ah, j'ai oublié les petits tas de ferraille, ils me servent normalement. Regardez, je peux... Boum,
Vive la pièce détachée. Ça c'est quoi? Ok. Chavez. Je n'en reviens pas qu'ils aient viré le docteur. Ah oui, c'est des... Malgré ses années de travail acharné, son dévouement d'un coup. Cette fois-ci... Quand on défend ses convictions. Le truc inquiétant, c'est qu'elle a raison. J'ai vu les chiffres. On doit redoubler d'efforts. Maintenant, plus que jamais. D'autres personnes baisseraient les... Crac. Mais avez-vous besoin d'aide? Ouais. Je suivrai son exemple. Non, non, j'ai pas besoin d'aide, je sais plus ou moins ce que je fais. Voilà. Une jambe rhino que je vais équiper aussi sec. Hein. Ah, je peux pas en mettre plus parce que je n'ai pas assez de puissance. Ah bah écoute, on va changer ça tout de suite. Voilà. Normalement, j'ai gagné en capacité. Hop. Et d'accord. C'était pas ici, c'était là. Pardon. C'était là. Voilà, et là, je peux l'équiper. Et là, je suis full équipé, sauf au niveau du corps. Et pour le corps, il me faudra un truc que je puisse utiliser aussi. Ce serait pas mal. Ok. Bon, bah, il y a du boulot encore. Ok, on y retourne, on est full, parfait. C'est parti mon kiki. Oula. Alors je peux esquiver les combats. Est-ce que j'ai un intérêt à esquiver les combats pour le moment? Je pense pas. Par contre, toi du coup c'est ta tête. Non, c'est ton corps que je vais te prendre. Merci pour ton... Aïe. Tu veux bien taper? Ah oui, c'est parce que j'ai dû sprinter pour aller chercher. Ton corps m'appartient, désolé. Boum. Ah, bah t'es resté un petit peu... excusez-moi, mais sur le cul, quoi. Ça me saoule qu'ils arrivent à me frapper avant. Oh non. Boum, voilà, merci. Je me prends des coups inutiles. Je suis désolé, chers amis, je suis mauvais. Aïe. Désolé, voilà. Bon, bah, je suis mauvais. Et je récupère, vous voyez, je récupère des points de B là. Je sais pas trop comment, mais... Sûrement sur des adversaires. Vas-y, viens voir papa. Et viens me voir. Viens me voir. Ah non, t'es pas méga agressif, ou mon garçon. Hein. Oh, ah ça m'a pas touché. J'avais oublié le deuxième coup. J'avais oublié ce coup là aussi. Ah putain. Donne-moi ton corps. Merci. Ton corps m'appartient désormais. Hop, je ramasse. On va aller se refaire l'autre imbécile heureux. Tu bouges toi maintenant. Ok, salut. Boum. Ça coûte bien sur un type à un tranchage. Oui, je suis au courant. Je suis au courant, merci. Wow, ils sont deux. Merci. T'es devenu. Ils ont pas de régène, ça c'est bon à savoir aussi. Oh, je suis dégoûté. Je pense que du coup le lynx aurait été peut-être plus rapide comme exosquelette, je sais pas.
Je ne sais pas. Oui, je sais, je peux pas y aller encore. J'ai pas le niveau. Coucou. Coucou. Oh putain, il vient pas. Hop, merci pour le boot. Ah, c'est ta tête que j'ai prise, tiens. Oh, il attend depuis une demi-heure. Vous avez vu ça? Il attend depuis une demi-heure de me caler son coup. Ah, régénérateur plasmique, ça me semble pas si mal comme un plan, ça. Hop, on y va, on se casse de là. Bah je fais ce que je peux, hein, Simone. Simone, pourquoi es-tu si vilaine avec moi? 20, voilà, on s'arrondit. Santé maximale. Injection qui restaure la santé. Oui, ça c'est intéressant. C'est quoi le truc que j'ai récupéré? Injection qui régénère la santé en 30 secondes. D'accord, donc ça régénère de la santé en 30 secondes. Ok, pourquoi pas. Et l'autre truc que j'ai là? Atténue la diminution d'énergie, moins 25%. Waouh! C'est craqué! Vivement qu'on soit niveau 25. On farmerait bien jusqu'au niveau 25. Hop, en plus ça devrait aller de plus en plus vite normalement, regardez. Là, les deux petites saloperies là. Aïe, putain, mais je suis mauvais. Boum! Voilà. Crac. Ok. Crac, boum, U, on y va. Je pensais que ça grimperait plus vite, à vrai dire. 45 par 45, c'est pas beaucoup. La suite. Je crois qu'il y en a un à droite qui a décidé de venir aussi. Aïe. Désolé. Tu repars. Qu'est-ce que je vais te prendre dessus? Ton cadavre. Merci. Crac. Ok. Donc, j'ai l'impression que pour faire tituber un adversaire, ça dépend de l'angle où on frappe. Si c'est le cas, alors j'ai jamais joué à un Dark Souls like ou un truc comme ça, hein, donc soyez indulgents, chers amis, j'apprends. Aïe. Aïe. Wouhou. Eh bien. Merci. Reviens plus tard. Aïe. Aïe. Putain. Ouais. Mouais. Me prends des coups, c'est un peu du pifomètre, hein. Bon alors toi qui as voulu jouer au con, tu vas me donner tes jambes. Crac. Voilà, merci pour tes jambes. C'est toujours agréable d'avoir des gens qui sont aussi serviables que toi. Ok, la suite.
partie des choses à casser, des choses à ouvrir, des choses à trouver. Parce que là, je doute que je grimpe tout en haut. Ça m'énerve de gaspiller des coups. Écoute plutôt ton corps encore. Ah putain. Ah putain. Merci. Wouh. Pas passé loin, hein. Pas passé loin du tout. Ok. J'ai plus de trucs de soins. C'est chaud quand même. Hein. C'est chaud quand même. Coucou Simone. Désolé pour ta tête. Paraît que ça fait mal. En train de me demander s'il n'y avait pas un ennemi derrière le truc. Oh, t'as rien au niveau du corps. Bah attends, ça peut s'arranger. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ok, 2660, c'est cool. Ça grimpe petit à petit. Ta jambe! Je veux ta jambe. Voilà, merci pour ta jambe. Tu lâches rien? Ok, tant pis. Ça c'est intéressant. Un petit tas d'objets. Alors du coup, comment je fais pour grimper là-haut? Est-ce qu'il doit y avoir moyen? Apparemment, je viendrai de plus haut encore. Vu qu'il y a possibilité d'aller encore plus haut. Allez plus haut! Ah, mais je sais c'est quelle porte ça du coup. Et je peux la surcharger. C'est encore un raccourci. Non, c'est pas un raccourci ça. Non, 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 non. Ceci n'est point un raccourci. Ok. Du coup, je peux ouvrir ça par contre. Je crois que je pouvais pas tout à l'heure, pourtant c'est étrange. Oulala. Rocket Yard. You are here. D'accord. Pas dans la merde du tout. Ton corps a pas l'air en forme. Boum, et de 1. Tiens, regarde, il paraît que t'as mal aux cuisses. Bah alors. Vita Boost. Ça, c'est clairement une machine. Hein. Tu viens me voir ou t'es timide? Viens dans la lumière du jour. Ouh, raté. Oh là, en bas à gauche, il y a quelque chose. C'est quoi ce bordel? Elle vient, elle vient, elle vient.
J'avais oublié cette histoire d'impact. Ok. C'est pas par là que je vais aller tout de suite. J'ai envie d'aller ouvrir par la grande porte déjà. Que j'ai ouverte, pardon. Je sais pas si ça va être un raccourci ou autre chose, cela dit. Et j'ai aussi... Je crois que j'étais revenu dans un truc à la con. J'ai aussi ça que j'aimerais ouvrir. Je ne peux pas. Why not, hein? Là, je peux? C'est un raccourci. Normalement, il y a deux robots ici, mais je ne les vois plus. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont plus réapparaître, ces deux-là, ou pas? Je ne sais pas. Hop, on revient à la base. Il n'y a pas de souci, tout se passe bien. J'augmente les niveaux, petit à petit. Voilà. 25, faut que j'arrive vraiment au niveau 25. Hein. C'est... Ça me semble plus que nécessaire. J'ai pas les pièces pour l'améliorer, celle-là. Il faut vraiment que j'arrive à faire ça aussi. 1600. Faut que je revienne faire ça. Même si je peux pas le porter pour l'instant, faut que je puisse m'éclairer dans le... Vous êtes là ou pas, du coup, les filles? Aïe. Ok, c'est bon. Ok. Salut Simone! Ça fait mal à la tête, hein. Aïe, oui, ça fait mal. Boum. Putain. Tu peux me décoincer, s'il te plaît? Qu'est-ce que t'as qui va pas, toi? T'as tout qui va, toi? Oh, t'en as de la chance. Merci pour ton bras. Ça m'emmerde, j'ai déjà gaspillé un truc. Ça m'emmerde. Oh, toi aussi t'as tout qui va bien. T'en as de la chance. Tu veux pas venir me voir? Ah putain. Putain, mais j'ai beau faire l'esquive. Ça passe pas. Faut vraiment une question d'énergie. Faut vraiment que je réduise mon l'énergie que j'utilise finalement. Niveau d'art. Waouh! Ah oui! L'attaque surprise du ninja. Pourquoi pas? C'est quelque chose qui fonctionne. Ok, on y retourne. Revenez quand vous voulez. Ouais, t'inquiète pas, je reviens. J'ai grimpé un level d'armes, tout devrait le faire maintenant. Raté. Voilà. Bon, c'est ridicule ce que je gagne en termes d'XP par contre. Hein. Raté. Merci pour ta tête. Je te la découpe, ça te dérange pas. Voilà. Bon alors, où il est, méga ninja, là? Pied détaché récupéré, c'est bon. Raté! Raté! T'es sûr? Parce que l'autre, là... je le connais, hein, il m'a fait le coup une fois. Par conséquent, je vais lui répéter une fois, mais pas deux. Coucou. Je savais que tu serais là. Ça fait mal, hein?
Alors attends, il y a ton pote juste à côté. Il est un peu coincé. Donne-moi ton bras, ça te fera du bien, voilà. Voilà, voilà. Ok, c'est tout ce que vous avez dans les... Robignol. Tuyau renforcé. Ok. Est-ce que je peux couper des choses avec un tuyau? Telle est la question. Ah putain, regardez! C'est là le truc que j'ai pas. Il faut que je vienne par en haut ici. Sauf que par en haut ici, je sais pas comment j'y viens non plus. Si, de par en haut au milieu là. Ouais, c'est ça. Attendez. Attendez. Viens me voir, y'a pas de soucis, t'inquiète pas. Je suis désolé pour ton bras droit, il m'appartient. J'ai donné une tronçonneuse supplémentaire. Merci à toi. Toi, je vais m'occuper de ta jambe droite. Ça fait mal, hein. Tiens, regarde, voilà. T'apprendras. Ok, nous disions donc. Il va y avoir moyen de monter quelque part. Ça, je peux pas bouger normalement ce truc là. Ah putain, ça vient de l'élévateur d'à côté. Ok, c'est bon, c'est mort. C'est l'élévateur qui est juste à côté, qu'il faut être niveau 55 pour le passer. Donc je peux pas. Par contre, là du coup j'ai plus de 1600. Du coup je peux me faire un torse et aller dans le noir. Parce que le torse en fait permet d'éclairer. Vous pouvez vous éclairer avec le torse. Une fois que vous l'avez un torse équipé, vous pouvez vous en servir pour vous éclairer. Oui, va te faire foutre. Voilà, hein, ça c'est dit. Je regarde, on est aussi rapidement dans l'épisode, 38 minutes. Ce sera la dernière chose qu'on va faire du coup je pense. Tu veux bien? Merci. Crac. Du coup j'ai ça. Comment je vois les dégâts? Ah la vache, ceci ça fait beaucoup plus de dégâts. Ça fait beaucoup plus de dégâts aussi. Que le mien. Mais je sais pas. Classe une main, classe bâton. Ah! Ah, donc il y a différentes classes en plus. C'est pas celle-là que j'ai équipé? Si, c'est celle-là que j'ai équipé donc. Celle-là fait 33 de dégâts. Donc j'ai. Ah oui, j'ai. Non, c'est pas logique. C'est pas logique, je comprends pas là. Pourquoi je... Aide. Attends, parce que là j'aimerais comprendre des choses. Ah oui, si j'augmente au rang suivant... Non, je comprends pas à quoi sert le... Ah si, les dégâts de l'arme de base sont de 33. Que je fais avec. Ils passent à 42 quand je suis MK2. Là, je suis MK2. C'est ça? C'est ça, je suis MK2. Ou j'ai au moins le MK1. Et ils montrent un 42. D'accord. Ok. Les dégâts de garde actuels sont de 33 et passent à 42. D'accord. Donc ceux-là sont à 19. Ceux-là sont à 18. Ça pourrait être intéressant de voir différents styles de combat. Gain d'énergie plus 40. La vache. Ça a craqué ça. 55, par contre, ouais, du coup, j'attaque pratiquement pas. Et ouais, même en MK1, il est à balle quoi. Il fait super mal. Ok, on va commencer par s'équiper du torse qui n'est pas le torse Rhino. Rappelons-le. Ok, il me faut combien pour monter de niveau? Il me faut 1700, ce qui est absolument incroyable.
Au niveau des implants, j'ai donc pas le niveau 25. Ok. Ok, ok. Bon, bon bah, du coup, on va cesser là, chers amis, pour cet épisode. Merci de l'avoir aidé. En tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo!